Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous laisse tranquillement vous installer, prendre le temps de vous installer, que tout le monde arrive. Et puis ensuite, je vais me présenter cette conférence. Et ensuite, tout au long de la conférence, je répondrai à vos questions. Cette soirée est pour vous, pour répondre à vos questions, à toutes ces interrogations. Et en même temps, je vais vous transmettre aussi toutes les informations que j'ai besoin de vous transmettre. Alors ce soir, je suis beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. C'est un thème qui me touche particulièrement. Il y a bien longtemps que je voulais faire une conférence sur ce thème. C'est un thème délicat à aborder et en même temps, c'est un thème vraiment très important à aborder. Donc ce soir, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Je ressens beaucoup, beaucoup d'émotions. Vous allez comprendre un peu plus tard quand j'aurai expliqué qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors, je vois qu'il y a des personnes d'un peu partout, quoi. OK. Et nous allons pouvoir commencer. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Marie-Noëlle Bon. Je sais que parmi vous, de nombreuses personnes me connaissent, mais je sais aussi que de nombreuses personnes ne me connaissent pas. Je suis qui? Je suis ce qu'on appelle une guérisseuse, nettoyeuse, une messagère de l'au-delà. C'est-à-dire que j'ai une capacité, et c'est pour ça que ce soir il y a beaucoup d'émotions, parce que j'ai la capacité à me connecter aux personnes, qu'elles soient près de moi ou loin de moi, et après je vous expliquerai ce que sont toutes ces connexions. Et donc je ressens à l'intérieur de mon corps toutes les énergies. Alors, ce n'est pas toujours facile à vivre pour moi dans mon quotidien. Donc là, je ressens beaucoup d'émotions. C'est très lourd. J'ai envie de pleurer. Mais bon, c'est aussi mon job. Et au travers toutes ces émotions que je ressens, donc je m'y connecte. Et ensuite, je vais nettoyer. Je suis vraiment une nettoyeuse. C'est-à-dire que je vais aller permettre de nettoyer toutes les énergies qui bloquent les personnes, qui les maintiennent dans la douleur, dans la souffrance. Et surtout, je ne nettoie pas qu'à ce niveau terrestre. C'est-à-dire que, et ça, je vais vous expliquer tout au long, nous sommes tous liés les uns aux autres et il n'y a pas uniquement dans cette réalité. Donc, ce thème de ce soir, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que, comme je suppose toutes les personnes qui sont là, j'ai traversé aussi l'épreuve de la perte d'un être cher. Certaines disparitions vont nous toucher, vont vraiment nous bouleverser et d'autres disparitions vont être vraiment un effondrement de notre vie. J'ai traversé plusieurs décès, bien sûr, j'ai été confrontée à la mort dès mon plus jeune âge parce que c'est aussi un petit peu une de mes caractéristiques génétiques, on va dire, c'est-à-dire que j'ai cette faculté ou pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de côtoyer l'au-delà. Donc, de nombreuses âmes venaient me rendre visite. Et malheureusement, un jour, j'ai moi-même vécu ce drame de perdre un être cher. Cet homme que j'ai perdu, c'était mon premier amour. Et comment vous dire, au moment où j'ai décroché ce téléphone et que j'ai entendu cette nouvelle, est-ce une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, mais enfin, quand j'ai entendu ces quelques mots, très brefs, Joël est mort, à cet instant, je suis morte à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose vraiment qui s'est brisé. Et c'est ce qui est étrange, parce que tout au long de ma vie, j'ai accompagné de nombreuses personnes hein, qui ont traversé aussi de telles épreuves, et où j'étais toujours surprise, c'était que certaines personnes arrivaient, par quel mystère de la vie, à dépasser, mais d'autres étaient vraiment totalement démolies. C'est-à-dire, c'est comme si au moment de la perte de cet être cher, pour certains d'entre nous, certaines d'entre nous, la vie s'arrêtait au moment où la vie s'est arrêtée pour l'autre. Et quand la vie s'arrête à l'intérieur de nous, c'est très difficile d'exprimer à notre entourage ce que nous ressentons. Et très souvent, enfin, pour moi, je me souviens, après enfin, le jour de l'enterrement et après les jours qui ont suivi, j'étais totalement effondrée. J'étais incapable de prononcer un mot. Je ne pouvais rien faire. Il n'y avait que les larmes qui coulaient. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'avais des crises aussi de nerfs. J'hurlais. Il n'y avait plus rien qui me tentait dans la vie. C'est-à-dire que je refusais de manger, je ne dormais plus, j'étais devenue un fantôme. C'est-à-dire que j'étais vivante de l'extérieur, mais l'intérieur était mort. Et puis autour de moi,
je l'ai compris bien plus tard, j'entendais constamment cette phrase, il faut faire ton deuil. Et je pouvais pas. D'abord, cette phrase, dès que j'entendais cette phrase, c'est comme si on me criait, mais on n'en a rien à faire de ta souffrance. Ravale-la, et puis arrête, reprends ta vie. Et j'avais vraiment l'impression que cette petite phrase, c'était une petite phrase toute faite, qu'on balance comme ça à l'autre. Et j'avais vraiment cette sensation de pas être entendue dans ma souffrance, de pas être comprise dans cette souffrance, que les gens ne comprenaient pas que mon cœur s'était arrêté au moment où son cœur s'était arrêté. C'était vraiment un déchirement intérieur. Pour moi, il n'y avait plus de vie. Il était mon présent, il était mon futur, il était mon tout. Et d'un seul coup, on me retirait mon tout. Et c'est comme si un voile noir était tombé et que je ne pouvais plus rien voir devant. J'étais bloquée dans cet instant de souffrance. Et cet instant de souffrance, il durait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je comprends aujourd'hui avec du recul que pour mon entourage, c'était compliqué à vivre et qu'ils ont tout essayé pour me faire sortir. Mais la seule chose dont j'avais besoin, c'était de ne rien entendre. C'était simplement d'être prise dans mes bras et que tout le monde accepte mon chagrin, que chacun accepte que j'avais le droit de pleurer, j'avais le droit d'exprimer ma colère, j'avais ce droit. Eh bien, non seulement on m'avait retiré celui que j'aimais, on m'avait retiré ma vie, et en plus, on me retirait mon droit à souffrir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fermé la porte à cette souffrance, et puis, j'ai revêtu un masque. Et à partir de ce jour, je me suis enfermée et je suis devenue une autre personne. J'ai complètement changé. J'étais plutôt une jeune fille tendre, j'étais sensible, j'étais un peu fleur bleue. Et là, je suis devenue une femme froide, autoritaire, intolérante, qui ne supportait pas les chialous. J'étais devenue vraiment intransigeante envers l'autre. Et puis, j'ai essayé de vivre avec ce poids à l'intérieur de moi. Et vraiment, quand j'ai fermé la porte de mon cœur, j'ai fermé la porte sur toute cette partie de ma vie. Mais ce que je savais pas, c'est que ce que l'on refuse de vivre, un jour ou l'autre revient à nous. Et puis, les années ont passé et j'étais là sans vraiment être là. C'est-à-dire que j'étais dans cette vie, mais en même temps, je ne la vivais pas complètement. Je vous donne des exemples. Par exemple, quand il y avait des moments de joie, j'étais dans la joie au niveau de ma tête, mais je ne vibrais pas à l'intérieur, dans mon cœur. Et puis, la vie a continué, elle a pris le dessus, on va dire, et j'étais mal, toujours mal. J'étais, alors soi-disant, les médecins, c'était la maniaco-dépression, après la fibromyalgie, après syndrome de fatigue chronique. J'ai ensuite plein de problèmes, donc je suis devenue insomniaque, j'avais des problèmes de digestion, je suis passée 4 fois sur le billard, hein, j'ai donc opéré 4 fois au niveau du ventre. Voilà, j'arrivais pas à digérer, vous comprenez maintenant, avec du recul aujourd'hui, je comprends ce que je n'arrivais pas à digérer. Et puis surtout, ma vie était chaotique, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à être stable dans ma vie, que ce soit au niveau des amours, au niveau du travail, rien. Il n'y avait rien qui fonctionnait. C'est-à-dire que j'étais une personne en colère. J'étais en colère et cette colère était en moi. Et donc, j'ai eu plusieurs maris, ça a toujours été la cata, ça n'a jamais duré bien longtemps. Et j'ai eu la joie d'avoir des enfants, et même cette joie-là, vous voyez, j'ai même pas pu la vivre pleinement parce que mon cœur, il était incapable de s'ouvrir. Bien sûr que je les aime, j'aimais ces petits êtres, mais j'avais vraiment cette impression d'être amputée de mon droit à être maman. Et puis surtout, je ne comprenais pas pourquoi, mais avec du recul, j'ai compris, j'avais peur. J'avais peur de ces petites vies qu'on me mettait entre mes mains, parce que c'était des petites vies que j'aimais, qui allaient m'aimer, mais j'avais tellement peur qu'elles disparaissent elles aussi. Et j'ai essayé de vivre jusqu'au jour où ma vie a complètement basculé, mon corps a dit stop, il n'en pouvait plus, et puis le temps d'une opération, j'ai fait un arrêt cardiaque. Alors bien sûr, ils m'ont réanimé, sinon je ne serais pas devant vous, alors je serais un fantôme qui parle à une caméra. Et puis, j'ai pas vu de tunnel, j'ai pas vu tout ça, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est un amour intense. C'est-à-dire que j'étais enveloppée d'un amour extraordinaire. Et puis, je voyais mon pauvre corps sur la table d'opération avec tous ces médecins qui s'acharnaient
vouloir me ramener à la vie. Et moi, je disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Je n'avais pas envie de revenir dans ce corps qui était tellement douloureux. C'était de la douleur, 24 heures sur 24, c'était de la tristesse, c'était de la colère. Rien ne pouvait me sortir de ce gouffre dans lequel j'étais. Et puis un jour, je me suis dit, mais faut faire quelque chose, tu ne vas pas rester comme ça tout le temps. Et donc, j'ai commencé à les consulter. Donc, des psychologues, des psychiatres, j'ai vu des thérapeutes, et à chaque fois, on me disait, vous n'avez pas fait votre deuil. Alors, je leur disais, mais comment on fait son deuil? Et voilà, comment on fait? Et cette réponse, elle était plutôt vague. Alors, on peut passer par les différentes phases, la colère, le déni, la tristesse, enfin, vous les connaissez certainement. La colère, j'étais en colère depuis ce jour-là. Elle n'était jamais partie, ma colère. Alors, j'ai continué de chercher. Et puis, j'ai fait des thérapies et je me suis dit, ça y est, c'est bon. J'ai fait mon deuil et tout. Donc, c'est vrai que la vie commençait un petit peu à me sourire et tout. Et jusqu'au jour, en matin, je me suis retrouvée complètement paralysée. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps refusait tout mouvement et la douleur en plus. Donc là, du coup, je me suis retrouvée allongée sur un lit dans une coquille et je me suis dit, maintenant, il va falloir que tu trouves une solution, ma fille. Et puis, tout ce qui me revenait sans arrêt, chaque jour dans ma tête, c'était ce moment-là et ce prénom qui n'arrêtait pas de me quitter. 30 ans plus tard, j'en étais toujours au même point, en train de porter la douleur de sa disparition. Et là, c'est là où j'ai vraiment décidé d'aller explorer. Et puis, c'est à partir de là que j'ai compris, que j'ai pu me libérer. Et aujourd'hui, c'est de ce dont je veux vous parler. Comment fait-on pour se libérer, pour avancer après avoir perdu une partie de nous? Et ce qui est important de comprendre, et ce que moi, je n'avais pas compris au travers de toutes ces thérapies que j'ai pu suivre, c'est que nous ne sommes pas, nous regardons, comment je vais vous expliquer ça? C'est pas facile d'expliquer. Si vous voulez, on ne regarde pas la totalité de la situation. Quand on vit un tel cauchemar, on est simplement centré sur l'autre qui est parti et sur nous qui restons. On s'arrête à ça, simplement. Donc, on ne regarde pas la totalité. Et ce que j'ai compris, c'est que nous sommes en effet dans cette réalité, mais nous ne sommes pas uniquement dans cette réalité. Nous sommes venus, et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, parce que vous savez, moi et Dieu, on a une relation plutôt conflictuelle pendant très longtemps. Ce que je n'avais pas compris, c'est que nous ne sommes pas simplement des êtres humains qui venons ici vivre des souffrances pour repartir et aller au fond d'un trou. Non, pas du tout. Et nous sommes des âmes et nous sommes venus nous incarner. Nous sommes dans cette réalité et en même temps, vous avez d'autres réalités qui se déroulent. Je vais vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez. Un jour, j'étais en séance avec une dame. Donc, je commence à parler avec cette dame et au moment où je parle avec elle, waouh, j'ai vraiment eu l'impression de me faire écraser par un poids lourd. Vraiment, je voyais un gros poids lourd qui arrivait face à moi et qui m'écrasait. Je suis revenue comme ça et je dis à la dame, waouh, ça commence fortement notre séance. J'ai dit, j'ai vraiment l'impression de me faire écraser par un poids lourd. Et vous savez ce qu'elle me répond à ce moment-là? Ah, merci. Elle me dit, ça fait des années que je consulte et que je dis que j'ai cette impression de me faire écraser par un poids lourd. Waouh. Donc là, je commence à me connecter sérieusement à elle. Et là, je me retrouve dans une autre réalité qui était parallèle à la nôtre. Et dans cette réalité, il y avait cette dame, sous une autre forme, un poids lourd qui arrivait, qui l'écrasait, il reculait, elle se mettait debout, elle retournait sur le trottoir, elle revenait, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans une autre réalité, elle vivait ce qu'elle ressentait dans cette réalité. Alors, c'est peut-être pas facile à croire pour vous, mais moi, c'est mon quotidien, c'est ce que je fais chaque jour, voyager dans toutes ces réalités. Et donc, comme j'étais dans cette réalité, je suis allée arrêter ce poids lourd et j'ai permis à cette part d'elle de terminer cette expérience, d'en comprendre l'enseignement et de pouvoir repartir à la source de notre âme. Et à l'instant où j'ai fait ça, dans cette réalité, cette dame n'a plus rien ressenti. Tout s'est arrêté pour elle. Et c'est important que vous compreniez que toutes ces réalités qui sont autour de nous, c'est-à-dire que cette réalité-là dans laquelle nous sommes, est le reflet parfait de tous les enseignements que nous sommes revenus vivre, les enseignements que nous n'avons pas compris dans ces autres réalités.
Alors, je ne sais pas si pour vous c'est clair ce que j'explique. N'hésitez pas. Je remets le chat si vous avez besoin de plus d'explications, parce qu'après ça va devenir encore un peu plus compliqué. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que je reviens dans cette réalité avec un bagage et avec des expériences à revivre parce que je ne les ai pas entendues, je ne les ai pas comprises. Ok? Merci Karine. Donc, si dans une autre réalité, j'ai une relation avec la mort, où je n'ai pas compris que les âmes sont éternelles et qu'il n'y a pas de... comment vous dire? Oui, l'âme est éternelle, c'est-à-dire que lorsque l'on perd quelqu'un, on va la retrouver. Nous sommes éternels. Je sais que mon amour, je retrouverai, par exemple. Mais ça, on peut très bien l'intégrer mentalement. Donc, dans une autre vie, imaginons, j'ai vécu le même drame, mais je n'ai pas dépassé ce drame et j'ai traversé toute la vie avec de la souffrance. Je ne m'en suis pas remise. Eh bien, je vais revenir dans cette vie. Et puis, on va me le faire revivre. Et en même temps, à partir de l'instant où dans une autre réalité, je n'ai pas compris cette expérience, eh bien, je recommence. Cette expérience ne s'arrête pas. Donc, quand dans cette réalité, on vit ce drame, si on veut vraiment, vraiment le dépasser, il est hyper important d'aller aussi nettoyer toutes ces autres vies dans lesquelles nous avons vécu telles expériences. Mais ce n'est pas tout. Vous savez, mes guides, parfois je suis quelqu'un d'assez têtu. J'ai beau voyager dans tous ces mondes, je suis quand même quelqu'un de très terre à terre. Hein. Et puis, pendant un temps, ils n'arrêtaient pas de me répéter « Tout est lié, tout est lié, tout est lié. » Ok. Eh bien oui, tout est lié. C'est-à-dire, si dans une autre réalité, j'ai vécu le même drame, j'ai perdu un amour, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais, ok, et que je m'arrête juste dans la réalité de maintenant où je suis dans la souffrance et que je libère juste cette personne-là que j'ai perdue. Eh bien, l'autre là-bas que j'ai perdue, elle ne sera pas libérée. C'est-à-dire que d'une vie à l'autre, nous sommes toujours liés. Toujours. Et ce sont simplement, ce sont des liens énergétiques. Nous sommes faits d'énergie. Donc, pour vraiment pouvoir nous libérer, libérer notre chair disparue, nous avons aussi besoin de libérer toutes les autres âmes qui peuvent être attachées. Et en plus, nous avons aussi besoin d'aller libérer toutes les personnes ou toutes les formes de vie qui sont liées. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez une personne qui décède et qui a un animal qui est très proche d'elle, un chat, un chien. Cet animal va autant souffrir que l'humain. Et ça, malheureusement, nous l'oublions très souvent. Moi, je me souviens quand ma maman est partie, elle avait une chienne et cette chienne, à partir de l'instant où maman est morte, elle s'est couchée au pied de son lit et elle pleurait. Elle gémissait, elle pleurait. Le jour de l'enterrement, elle était présente. Elle nous suivait de loin, la pauvre. Elle n'osait pas approcher. Et puis, elle allait sur sa tombe. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que, comme nous sommes tous liés, nous sommes liés par des liens énergétiques, pour nous libérer, si nous ne coupons pas toutes ces connexions, nous allons automatiquement nous faire réalimenter de notre souffrance. Et en plus, nous portons aussi des mémoires de nos ancêtres. Vous avez des familles où l'on dit « c'est pas possible, elles doivent être maudites ». Par exemple, j'ai rencontré des clients dans ma carrière, on va dire, où dans la famille, tous les hommes à 40 ans mouraient d'une crise cardiaque, par exemple. Et c'était de génération en génération. Et bien là, il y avait aussi quelque chose, il y avait une mémoire à nettoyer pour que ça s'arrête à un moment donné. Donc, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir se libérer, on a besoin d'être dans cette conscience que tout est lié et de tout nettoyer. Mais ça ne va pas être suffisant. Quand on perd quelqu'un, si je pense à ce que j'ai vécu, comment ça s'est produit, on peut aussi avoir une grosse culpabilité. Au moment du décès de Joël, quelques heures plus tôt, nous nous sommes téléphonés et j'ai été odieuse. Je lui ai fait une scène vraiment horrible et j'étais verbalement
d'une violence extrême. Quelques heures plus tard, il a eu un accident et je ne l'ai jamais revu, vivant en tout cas. Et j'ai été convaincue pendant plus de 30 ans que si ce jour-là, je n'avais pas crié après lui, il n'aurait pas pris sa moto et il ne serait pas mort. J'ai porté ce poids, cette culpabilité. Je me disais à l'intérieur de moi, bah, t'as pas le droit de vivre. Pourquoi tu aurais le droit d'être heureuse? Tu l'as tué. Et donc ce poids de culpabilité, on a vraiment besoin aussi d'aller le nettoyer. Si on comprend que la personne meurt parce que c'est comme elle devait mourir, c'était son moment, c'était ce qu'elle avait choisi, eh bien nous n'avons pas apporté ce poids de culpabilité. Et ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque l'on a un poids de culpabilité, ce sont aussi des énergies. Et ces énergies vont entrer en résonance avec les collectifs de culpabilité. Et non seulement on va porter notre propre poids, mais on va porter le poids des autres. On peut aussi avoir, après le décès de quelqu'un, ce qu'on appelle la mémoire de survie, sans vouloir d'être vivant. Se dire, j'ai survécu, j'aurais préféré mourir à sa place. C'est aussi une mémoire qui est liée à d'autres réalités, qui a besoin d'être nettoyée. Et puis, il y a beaucoup de conséquences sur, après le décès d'un proche. Si je reprends mon exemple, par exemple, tout le reste de ma vie, ce soir-là, donc on s'est appelé et on avait rendez-vous. Il n'est pas venu au rendez-vous. Donc, toute ma vie, à chaque fois que quelqu'un était en retard, chaque fois que le téléphone sonnait, ça me ramenait à ce moment-là. Chaque fois que quelqu'un était en retard, je revivais cet instant. Et je ne pouvais pas me détacher parce que j'avais cette peur à l'intérieur de moi. J'étais convaincue qu'à chaque fois que le téléphone allait sonner, c'était pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Donc ça aussi, c'est hyper important d'aller le nettoyer. Une fois que l'on a nettoyé tout ça, pourquoi c'est important de nettoyer? On pourrait garder notre souffrance. Et vous savez, de par le travail que je fais quotidiennement, parce que c'est mon job, je me rends compte que de nombreuses âmes n'arrivent pas à passer dans la lumière. Non pas parce qu'elles ne le méritent pas. Parce que si je pense par exemple aux personnes qui se sont suicidées, très souvent j'entends des tonnes de choses sur les personnes qui se suicident, qu'elles n'ont pas le droit d'aller dans la lumière, qu'elles ont erré. Rassurez-vous, ça c'est faux, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'elles ne partent pas? Parce que la souffrance que nous, ceux qui restent, portons, les empêche de partir. C'est-à-dire que nous sommes tellement enchaînés dans cette souffrance que nous les avons enchaînés aussi dans cette souffrance. Cette conférence de ce soir, il y avait bien longtemps que je voulais la faire, je ne me sentais pas encore tout à fait prête à la faire, mais je l'ai faite parce qu'on m'a énormément poussée à la faire. Si je vous dis « on », ce sont mes guides. C'est vraiment mes guides qui m'ont demandé de faire. Parce que toutes ces âmes qui restent au niveau terrestre, ce sont des âmes de souffrance qui ne sont pas dans la paix. Et toutes ces âmes en souffrance qui ne sont pas dans la paix, elles émettent des énergies de souffrance qui viennent alimenter le vivant. C'est-à-dire que, comment vous expliquer? Elles vont amplifier, leurs énergies vont amplifier. Si, par exemple, des personnes qui sont hypersensibles, quand je vais dans un endroit, je vais tout de suite percevoir ce type d'énergie. Donc, moi, je les connais. Je sais comment les gérer. Mais prenons quelqu'un qui ne sait pas. Eh bien, peut-être que dans cette maison que les personnes vont emménager, eh bien, il va se passer que des ennuis. Il n'y aura que des problèmes. Peut-être qu'ils vont se disputer. Peut-être que les personnes vont tomber malades. Et c'est pour ça qu'il est hyper, hyper important de bien nettoyer tout ça afin que la paix, toutes ces âmes puissent retrouver la paix et que les vivants aussi soient libérés de toutes ces énergies. Parce que toutes ces énergies, c'est ce qu'on appelle les énergies de désincarnation et je peux vous assurer qu'elles sont d'une violence extrême. Et je suis confrontée à ces énergies bien souvent dans ma vie et je peux vous assurer que parfois, quand une âme se connecte à moi, je vis à l'intérieur de moi ses propres tortures, ses propres souffrances. Et je peux vous assurer que c'est vraiment pas agréable. Je vais faire une petite pause pour répondre à toutes vos questions parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Alors, je vais répondre à Sandrine.
Sandrine demande, comment fait-on pour savoir si nos défunts sont bien de l'autre côté? Eh bien, pour savoir s'ils sont de l'autre côté, vous avez juste à penser à la personne. Si vous ressentez une souffrance à l'intérieur de vous, c'est que la personne n'est pas dans la paix. Lorsque l'on pense à un défunt et que ce défunt est dans la lumière, on peut pleurer, ça peut être des larmes, mais on ressent de la paix. C'est de la paix qui vient à nous. Et c'est certainement pas de la tristesse, c'est certainement pas de la colère. Voilà comment c'est si quelqu'un que l'on a aimé, qui est parti, est bien dans la lumière. Si je pense à lui, voilà, là je suis en train de penser à mon bel amour, et là, fouf, c'est que de l'amour que je reçois. Alors ça me donne peut-être envie de pleurer parce que c'est un amour pur et fort. Alors, j'ai perdu ma mère quand j'avais 3 ans, un enfant à l'âge de 5 mois et un compagnon. Eh bien Chantal, quand je lis ce que tu me dis, tu as vraiment quelque chose à apprendre. Et on va continuer dans cette conférence à comprendre ce qu'on a besoin d'apprendre des décès et des pertes que nous vivons. Alors, Jean-Claude, courage, je te comprends, même si la mort n'existe pas, j'ai connu ça. Exactement. C'est vrai qu'on se dit la mort n'existe pas, on va se retrouver, mais tout ça, on peut aussi l'intellectualiser. On peut le dire sans vraiment y croire. Est-ce que sincèrement vous y croyez à 100%? Est-ce que vous n'avez jamais un petit doute à l'intérieur de vous? C'est ce qu'on appelle la foi. Et bien souvent, mentalement, on a envie d'y croire. On a envie d'y croire qu'il existe quelque chose. Moi, je le sais parce que j'y suis allée de l'autre côté et puis j'y vais souvent faire un tour là-bas. Mais tant que je n'étais pas allée de l'autre côté, j'y croyais pas. Ma tête le disait parce que on le disait, on le lisait et tout ça et puis voilà. Mais sincèrement, je n'y croyais pas à 100%. C'est le jour où mon cœur s'est arrêté, où je suis passée de l'autre côté, que j'ai compris qu'il existait après. Vous savez, ça fait drôle quand vous voyez votre corps et vous n'êtes pas dans votre corps, vous êtes en train d'observer votre corps. Là, vous savez que vous êtes mort. Et là, j'ai bien vu que j'étais peut-être morte sur la table d'opération, mais en réalité, je ne l'étais pas. Alors, j'ai dit à mon mari exactement ça, le plus dur, c'est de partir dans la lumière et de nous livrer avec notre chagrin. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que notre chagrin, bien sûr, il est important de le vivre. Je ne dis pas de ne pas le vivre, bien au contraire. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste. Mais ce qui est important, c'est à un moment donné, de retrouver la paix pour que l'autre puisse trouver la paix et puisse continuer son voyage d'âme. Alors, Maude, c'est nous qui les bloquons. Ça, je l'ai enfin compris. J'ai eu un message d'eux me disant qu'ils étaient fiers de moi et de ce que je faisais. Bravo, Maude. Cool, hein? Alors, Patricia, comment dépasser le manque de l'autre, que ce soit une personne humaine ou un animal décédé? Patricia, c'est une belle question et j'ai cherché longtemps cette réponse. Si, ce qui est important de comprendre, le manque de l'autre. Qu'est-ce que l'autre me donnait? Il me donnait de l'amour, de l'attention, peut-être qu'il me faisait exister. Eh bien, pour aller combler le manque de l'autre, nous avons besoin d'aller manquer le manque de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous avons besoin d'aller apprendre à nous aimer pleinement, à nous accepter tels que nous sommes. Parce qu'à partir de l'instant où nous allons accepter de nous aimer pleinement, le manque de l'autre va s'atténuer. Nous allons garder le souvenir de l'autre, bien sûr. On ne peut pas effacer comme ça quelqu'un qui a marqué notre cœur. On ne va pas dire, allez hop, je prends une gomme, je t'efface, basta, je passe à autre chose. Mais ce sera un doux souvenir et ce ne sera plus le manque. Alors, les registres akashiques. Oui, on peut vous appeler ça les registres akashiques. Moi, j'appelle ça simplement les autres mondes, les autres réalités. Il est vraiment important de comprendre. Je vais vous donner un petit exemple. Je suis sûre que ça vous est à tous et à toutes arrivé déjà une fois. Vous êtes en train de vivre quelque chose, vous êtes en train avec un groupe d'amis, vous êtes en train de discuter ou peu importe. Et d'un seul coup, à ce moment précis, vous dites « Waouh, j'ai l'impression d'avoir vécu déjà ça ». Vous savez pratiquement ce qui va se passer.
Bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire que vous avez deux réalités qui se sont chevauchées. Là, par exemple, il est 21h02, nous sommes dans la réalité du 3 mars 2022, 21h02. Et puis peut-être qu'à côté de moi, il y a une autre réalité du 3 mars 2022 à 21h05. Eh bien, quand on a cette sensation, c'est que deux réalités viennent de se croiser, tout simplement. Alors, Sandrine, j'ai dû avorter de mon deuxième enfant pendant des années. Régulièrement, j'avais l'impression d'être enceinte alors que ce n'était pas possible. Et dernière, je me suis dit que l'amour fusionnel que j'ai avec mon petit-fils, c'est peut-être parce que c'est l'enfant que je n'ai pas pu avoir. Et oui, c'est pareil, vous savez, quand j'avais fait une conférence sur ce thème aussi, lorsque nous perdons un bébé avant la naissance, de façon naturelle ou bien volontaire, parfois l'âme de ce fœtus est déjà installée. Et c'est pas parce qu'on va faire un curetage ou autre acte chirurgical pour nettoyer physiquement que l'âme est partie. Et de plus, n'oublions pas, nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire que si vous êtes en contact, moi je suis en contact avec toutes ces énergies, nous avons des liens qui nous attachent, on est tous reliés les uns aux autres. C'est pour ça aussi que parfois vous pouvez penser à une personne et puis au moment où vous pensez à la personne, elle vous appelle ou vous la croisez. Il n'y a pas de hasard. Nous sommes tous et toutes reliés les uns aux autres. Et ça, je peux vous garantir que c'est vrai parce que c'est ce que je vis chaque jour. Alors, culpabilité, colère de devoir rester seule. Et oui, c'est ce qui est terrible. C'est que d'un seul coup, notre vie se vide. Elle se vide de sens, elle se vide d'amour, elle se vide de l'autre. Et comment combler ce vide? Comment rétablir un équilibre dans notre vie? C'est ce qui est important de comprendre. Alors... Annick dit « J'ai perdu mon conjoint et ma fille de manière tellement tragique en si peu de temps. Je suis en deuil, j'accueille la souffrance et je suis en mode survie. » Eh bien, Annick, je suis vraiment de tout cœur avec toi. C'est très difficile pour moi de parler, mais bon, je vais y arriver. Alors, si je commence à me connecter à tout le monde, ça va être, je vais faire que bailler. Alors, rassurez-vous, si je me mets à bailler, c'est normal, c'est que je nettoie. Tu as besoin maintenant, Annick. Ta souffrance, c'est normal que tu la vives. C'est normal que tu l'acceptes. Elle fait partie de toi, elle fait partie de l'expérience que tu es en train de vivre. Mais tu as aussi besoin maintenant de sortir de ce mode de survie pour passer en mode vie, pour permettre justement à ta fille et à ton conjoint de trouver la paix et de pouvoir partir. Alors... Je me prénomme Chantal, j'ai vécu moi aussi la part de mon petit ange tant aimé. Merci pour cette magnifique soirée. Alors, je regarde, c'est pas évident quand on est tout seul. Je viens de perdre mon papa, il est où? Combien de temps pour pouvoir le ressentir? Tout va dépendre des circonstances, de la mort de la personne. Je vous donne des exemples concrets. Une personne qui meurt des suites à une longue maladie, elle sait qu'elle va partir. Son âme se prépare, c'est-à-dire que vous avez des êtres qui vont venir pendant les derniers temps de sa maladie, vous avez des êtres qui vont venir pour l'accompagner, pour l'aider à passer. Donc cette âme, elle a beaucoup plus de chances, vous pouvez la ressentir immédiatement à vos côtés. Je me souviens quand maman est décédée, chez nous, on meurt à la maison, ça c'est important, et puis on veille nos morts, c'est-à-dire qu'on met des bougies, on met de la musique, on fait brûler de l'encens, et 24 heures sur 24, on reste près de nos chers disparus. Et puis, c'était le troisième jour, j'étais près de maman, je lui tenais la main, et puis je chantais notre chanson, et d'un seul coup, j'ai ressenti... vraiment dans la pièce, il y a eu un changement, vous savez, de pression, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, j'ai ressenti quelque chose dans ma main
qui a traversé tout mon corps et qui est sortie de mon corps. Et là, waouh ! Et c'était l'âme de maman. Donc, vous voyez, il n'y avait que 3 jours qu'elle était décédée. Ensuite, vous avez des âmes qui vont mourir brutalement, comme Joël est mort, d'un accident. C'est-à-dire, ce sont des âmes qui ne sont pas du tout préparées à partir. C'est brutal, c'est violent. Et donc, parfois, elles sont quelque temps sans même savoir qu'elles sont mortes. Donc, elles ont beaucoup de mal. Elles sont dans une colère, dans une incompréhension. Et donc, elles ont beaucoup de mal à retrouver, on va dire, leur chemin, à venir vers leurs proches. Donc, tout va dépendre des circonstances de la mort. Alors, mon compagnon est décédé à la maison d'un cancer. Il a vu une semaine avant, mais j'ai pas la suite. Je ne sais pas ce que tu as voulu mettre, Nathalie. Alain me dit, j'ai perdu ma compagne le 6 septembre, j'ai 64 ans, ma vie est foutue, j'en suis sûre. Alain, c'est tout récent et c'est tout à fait normal que tu crois que ta vie est foutue. Mais je suis convaincue au fond de moi, par rapport à ce que je peux entendre autour de moi, que ta vie, elle n'est pas foutue, que tu as encore de belles choses à faire, tu as encore de belles rencontres à faire. Nolan, cette mort en 2 ans et demi, comment leur communiquer ? Pour communiquer avec vos proches, c'est le cœur. C'est posez-vous un instant. Et je vais vous inviter à le faire si vous le souhaitez, on va le faire ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à vivre cette expérience tous ensemble ? Ah oui, alors Nathalie dit, il a vu plein de monde dans la pièce une semaine avant. Je pensais que c'était des hallucinations. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous avez vraiment toutes les proches, vous avez des proches qui viennent et vous avez aussi les êtres de lumière qui viennent pour accompagner. Ok ? Alors, on va les faire, cette rencontre. Ok ? Je vous invite toutes et tous. Alors, je tenais à préciser quelque chose d'important. Avant de commencer la conférence, j'ai posé une protection sur cette conférence pour éviter que toute âme en colère, toute âme qui pourrait manifester un peu de virulence et de violence ne vienne vous embêter. D'accord ? Oui, je vais couper le chat. Ok. Et je vous invite toutes et tous à fermer vos yeux. Alors, excusez-moi, je vais beaucoup bâiller. Il y a beaucoup de présence autour de moi. Je vais nettoyer au fur et à mesure. Je vous invite à fermer vos yeux, à baisser légèrement le menton et à descendre votre conscience au niveau de votre cœur. Pour vous aider, je vous invite à poser votre main sur votre cœur. Et vous allez simplement respirer. Vous allez inspirer par le nez. En gonflant votre ventre, et vous allez expirer par la bouche, lentement en dégonflant votre ventre. Et vous allez juste rester ainsi, en conscience avec votre cœur. Et vous allez simplement penser à l'être aimé. Vous pensez à lui ou à elle. Et vous allez laisser générer au niveau de votre cœur que de l'amour. Vous allez laisser ce sentiment d'amour vous emplir. Et c'est comme si avec cet amour vous enveloppiez cette personne. Et vous restez ainsi avec tout cet amour et la pensée pour l'autre. Et peut-être que vous allez ressentir un changement de température autour de vous,
changement de pression de l'air, peut-être une caresse, un frôlement sur votre peau. Peut-être que les lampes vont se mettre à grésiller, peut-être elles vont entendre un bruit, peu importe. Vous restez simplement à l'écoute de votre corps et de tout ce qui est autour de vous. Et quand vous sentirez prêt, quand vous sentirez prête, vous pourrez revenir ici et maintenant. Ah, excusez-moi. Alors, j'ai une âme près de moi qui s'appelle Marilyn. Elle est plutôt rigolote. Il a un message à faire passer. Alors, je lis le message, la personne qui va se reconnaître. Je rigole. Excusez-moi. Donc, le message que Marilyn a à faire passer à je ne sais pas qui d'ailleurs, parce que je n'arrive pas à comprendre le prénom. Comment ? Ah, ok. Donc, ce message, il est pour Pierre. Pierre, voilà ce que Marilyn vous dit. Ce n'est pas parce que je ne suis plus là que tu dois tirer au flanc. Nous nous reverrons, grand Benet. Voilà. Voilà, c'est un message que je viens de recevoir. À l'instant, j'avais quelqu'un qui me tapait sur l'épaule. Là. Et donc, c'est un message que je vous donne. Alors, Nolan. Alors, pour Karine, une grande chaleur. Isora, eh oui, bien sûr, Isora, normal de bâiller. Isabelle, j'ai l'impression qu'ils sont en paix, sauf ma grand-mère qui est revenue pour m'aider à reconnaître le don qu'elle n'a pas osé utiliser, que je dois laisser s'exprimer, même si je ne sais pas ce que c'est. Ok, Isabelle. Nolan, j'ai pleuré, j'ai ressenti une grande chaleur. Alors, si un enfant est assassiné, est-ce que son évolution est plus compliquée ? Non. Vous savez, nous avons des drôles de concepts,
de la mort, de l'après-mort, on va dire. On a de drôles de concepts de l'après-mort qui nous viennent beaucoup de la religion, hein, qui nous a. Croyez-moi, les âmes qui ont été assassinées, comme les âmes qui se sont suicidées, elles sont accueillies dans un amour incroyable. Elles sont prises en charge, mais dans un amour. Et croyez-moi, leur évolution ne va pas du tout être ralentie, bien au contraire. Alors, je sais au fond de moi que ma mamie doit me communiquer. Que dois-je faire? Eh bien, Nolan, simplement, tu te mets comme ça en réception, tu te connectes à ton cœur, tu laisses venir de l'amour, hein, et tu laisses venir à toi tout ce qu'elle a besoin de te communiquer. D'accord? Alors, mal aux omoplates et au plexus, beaucoup de bâillements. Pourquoi? Nathalie, tu es en train de nettoyer, tu es en train de te libérer. Alors, faut-il avoir peur de la mort car je suis une angoisse de la mort? Alors, moi, je vous dirais non parce que j'ai vécu la mort. Et franchement, j'ai eu très, très mal avant. Je m'en cache pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis retrouvée sur une table d'opération. J'avais une souffrance terrible. Mon corps était dans une souffrance terrible. Mais vraiment, au moment du passage, à partir de l'instant où je suis sortie de mon corps, où mon âme est sortie, où je suis sortie, je sais pas comment dire, hein, c'était cool. Non. La mort, c'est vraiment, comment vous dire, c'est, vous savez, c'est un petit peu comme quand vous partez, puis quand vous revenez à la maison, que vous êtes accueillis à bras ouverts et qu'on vous accueille et qu'on est heureux de vous voir. Eh bien, moi, je vous la décrirais comme ça, la mort, parce que c'est comme ça que j'ai vécu. Et puis, par rapport à, vous savez, mon job, c'est de nettoyer, d'aider les âmes à passer, de faire, c'est mon job de tous les jours. Et il m'arrive parfois de les accompagner dans ce que j'appelle, alors moi j'appelle ça les sas, hein, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est vraiment le seul, c'est le nom que je donne pour expliquer aux personnes, aux humains, quoi. Voilà. Donc si vous voulez, quand j'accompagne une âme, on arrive dans un endroit, c'est un endroit, comment je peux vous expliquer, il y a une, hop, comme une grande porte comme ça, mais c'est pas une porte en dur comme ici, hein, ce sont des énergies. Et au moment où on entre, on traverse ce porche, ce portail énergétique, déjà, moi j'adore parce que ça me fait du bien, ça me remet un peu d'aplomb. Et puis quand on arrive là, il y a vraiment des êtres qui arrivent vers nous et qui prennent en charge l'âme que j'accompagne. Et puis ensuite, elles vont passer, il y a plusieurs personnes qui vont s'occuper d'elles, elles vont revoir une partie de leur vie, enfin, il se passe plein de choses. Et ensuite, je les accompagne dans un deuxième sas. Et dans ce deuxième sas, alors après, je suis pas allée plus loin, pour l'instant, je suis arrêtée à ce deuxième sas. La première fois que je suis arrivée là, ça a été bouleversant parce que j'ai revu mes chers disparus, j'ai revu mon papa, j'ai revu ma maman. Tout le monde était là parce qu'ils étaient, ils en avaient profité, comme j'étais de passage, ils se sont dit, tiens, on va lui faire un petit coucou. Et c'est là où je sais que, maintenant je le sais parce que je l'ai vu, mais tant que je n'avais pas vu ça, je ne pouvais pas le croire. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr, parce que vous pouvez dire, elle raconte n'importe quoi, celle-là. Mais je peux vous assurer que de l'autre côté, quand l'âme est libérée, quand on la libère, quand on lui permet de reprendre son chemin de lumière, je peux vous assurer que c'est vraiment un retour à la maison avec toute la famille divine qui les attend. Alors, j'ai des grands commentaires. J'ai vécu un enveloppement incroyable après l'envoi de mon époux vers d'autres strates. Je venais de l'accompagner pendant 4 longues années de maladie avec rebondissement, puis rechute et 20 ans de complicité. C'est comme si je ne pouvais pas plonger dans mon malheur. J'entendais, je suis là, bouge, t'arrête pas, je serai toujours là. Il m'avait dit de devoir partir. J'ai pu organiser sa veillée 7 jours à la maison et quelque part on espérait une résurrection, mais on en avait peur aussi. C'est alors que la synchronicité est entrée dans ma vie, mais ce vide punait, je me rends compte combien 11 ans après, parfois la douleur en moi est là. J'ai fait des choix radicaux, mais j'ai dû mettre un sacré masque, car ma peine n'a jamais été entendue. J'ai compris et vécu comme le film Gosse, mais ma vie a pris un tel virage, effaçant mes rêves en une seconde. J'avais plus envie de rien, j'ai toutefois rebondi d'une manière qui m'étonnait encore, vivre ici et là-bas. Waouh! Est-ce que les défunts nous voient actuellement? J'aimerais savoir si mon chéri il fait.
Alors, ils ne sont pas toujours à côté de nous, hein, rassurez-vous, parce qu'ils ont plein de choses à faire aussi. Maintenant, ils viennent à nous quand nous sommes en capacité de les entendre. Des fois, ils sont près de nous, mais on n'est pas dans cette conscience parce qu'on est tellement centré dans notre douleur, on est tellement coupé de nous-mêmes qu'on ne peut pas les ressentir. Pour être en conscience avec eux, pour vraiment entrer en relation avec eux, nous avons vraiment besoin de déposer notre chagrin. Le chagrin, ce sont des énergies, vous savez, imaginez le chagrin, c'est comme des énergies qui nous cachent les autres réalités. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de générer un sentiment d'amour, parce que le sentiment d'amour va amener la paix. Et là, vous allez pouvoir les ressentir, les sentir à vos côtés. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important d'aller nettoyer tout ce chagrin, toutes ces peurs qui ont pu naître, la peur de perdre quelqu'un à nouveau, le sentiment de culpabilité, ce non-droit à la vie, pourquoi moi, je vais survivre. Vous avez vraiment besoin d'aller vous libérer de tout ça. J'ai perdu mon époux le 27 décembre et le 29, ma fille et moi faisions des allers-retours entre la maison et la voiture. J'ai senti un souffle chaud, je me suis sentie apaisée. J'ai dit « Chérie, j'ai envoyé ton souffle ». J'ai souri, ma fille a ressenti la même chose, mais pas au même moment. Du soir, elle m'a dit « Maman, tu vas croire que je suis folle, mais papa est venu me faire un câlin ». Elle était au même endroit que moi, quelques minutes après. Est-ce que lui qui est venu nous dire au revoir ? Eh oui, Sandrine, tout à fait. Vous savez, ils sont très très souvent à nos côtés. Par exemple, vous pouvez ressentir là sur votre main, vous savez, un petit frôlement. Ça fait, vous savez, on a l'impression qu'il y a une petite bête qui grimpe. On regarde, il n'y a rien. Voilà, un petit frôlement. Ou alors, vous savez, une caresse comme ça. Voilà, des caresses très très douces, mais c'est vraiment très très léger, comme si, vous savez, pour eux c'est très compliqué. Ils ne sont pas matière, ils sont énergie. Nous, nous sommes matière, donc on peut prendre quelque chose comme ça. Eux, ils ne sont pas matière. Donc, quand ils vont passer, ça va vraiment être léger. Ça va être, vous savez, comme une plume qui caresse notre visage. Ça va être la température de la pièce qui va changer. Un courant d'air froid, ça, c'est un signe aussi. Ça, voilà. Vous avez plein de choses. Par exemple, des objets qui disparaissent. Je vais vous raconter encore quelque chose qui va vous montrer comment ils sont toujours à nos côtés. Après la mort de mes parents, bien des années plus tard, mes parents sont décédés très très rapidement d'une maladie, ils sont morts d'un cancer. Ma mère, c'était un cancer foudroyant, elle est partie en 5 jours, papa plus longtemps. Ils sont morts de façon très rapprochée. Et ça a été le coup de grâce pour moi. Vraiment, c'était le coup de grâce, donc j'ai tout plaqué. Et puis, je suis partie m'installer à la campagne, loin de tout le monde, parce que j'en avais marre qu'on me dise « faut te remettre à la vie », etc. Je revivais encore la même chose qu'avec Joël. J'avais envie de pleurer, donc je suis partie pleurer tranquillement dans mon coin. Et puis, j'avais une maison, et à l'extérieur de cette maison, il y avait une espèce de petite pièce, si vous voulez. Je me suis dit, tiens, j'installerais bien une petite salle de méditation, quelque chose comme ça, dans cet endroit. Mais bon, c'était plutôt en mauvais état. Et là, j'entreprends de rénover cette pièce, et donc il fallait refaire les murs et tout. Et là, je commence à me lancer là-dedans, et j'y arrivais pas, et je m'énervais. Et d'un seul coup, je me suis à penser à mon père, et je me suis dit, oh là là, s'il était là, lui, en 10 minutes, ce serait fini, on n'en parlerait plus. Et là, je me suis mise à hurler, à crier ma colère, mais j'étais dans une colère, vous pouvez même pas vous imaginer, j'ai tout balancé dans la pièce. Et puis, je suis sortie. Je me suis laissée tomber dans le jardin en hurlant. J'ai besoin de vous dire, elle est complètement dingue, l'autre d'à côté. Et puis, d'un seul coup, mon regard, je ne sais pas pourquoi, mon regard a baissé au sol. Et là, qu'est-ce que je vois par terre? 2 petites pièces de 1 et 2 centimes, côte à côte, posées comme ça. Et j'ai regardé ces 2 petites pièces. Et au moment où j'ai regardé ces 2 petites pièces, j'étais enveloppée d'un amour. Mais vous ne voyez même pas, c'était... La paix est arrivée tout de suite. Alors, j'étais vraiment une furie, hein, je peux vous assurer. La paix est tout de suite arrivée. Je me suis levée, je suis entrée dans la pièce et j'ai refait toute la pièce comme si j'étais une professionnelle, quoi. Et à ce moment-là, je savais que mon père était venu à mon aide et qu'il m'accompagnait à faire cette pièce. Donc, vous voyez, ils sont surprenants. Ils peuvent vraiment vous surprendre à chaque instant. Et c'est ça qui est magique.
Ils vont vous semer aussi, ça peut être aussi voilà des petites pièces de monnaie que vous trouvez dans des endroits improbables, des objets qui disparaissent. Par exemple, vous avez posé vos clés à tel endroit, vous en êtes convaincu, et puis bah vous y retournez, les clés sont pas là, et ça se répète plusieurs fois. Et ben c'est souvent le signe qu'un de vos proches essaie de communiquer avec vous. Alors ça peut être des clés, ça peut être tout autre objet. Donc, ce sont tous ces petits signes-là qui vont vous permettre de comprendre. Ok ? Alors, est-ce normal que je n'ai pas peur de mourir, mais que j'ai hâte pour découvrir ce monde ? Bien sûr que c'est... est-ce que c'est normal ou pas normal ? Je ne peux pas te dire. Mais alors, alors, je suis désolée, Nolan, je te tutoie, pardon. Ce que je peux vous dire, Nolan, c'est que quand nous ne sommes pas prêts, eh ben, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai une vie un peu catastrophique. Hein. J'ai essayé de mourir à maintes reprises. J'ai essayé plusieurs fois de me suicider parce que tellement j'en avais ras-le-bol de cette vie. Eh bien, ça ne marche pas. Parce que ce n'était pas prévu dans mon contrat d'âme. C'est-à-dire que quand nous décidons de nous incarner, d'accord, nous nous programmons des expériences et nous programmons aussi comment nous allons partir. Eh bien, si nous n'avions pas programmé de mourir par un suicide, bah, vous pourrez toujours essayer de vous suicider, ça ne marchera pas. Vous reviendrez encore, encore ici, toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Voilà, on ne peut pas dire, ben là, j'en ai ras-le-bol, tiens, hop, je change le crèche. Non. On peut déménager, on peut changer de ville, on peut changer de mari, on peut changer de femme, mais quand on a un contrat, il est important de le suivre jusqu'au bout. Et de ne pas avoir peur de la mort, bah, la mort, c'est juste un passage. Donc, ce n'est pas normal, je ne peux pas dire que c'est normal, c'est comme ça. Alors, je n'ai rien ressenti. Peut-être que Nathalie, je vous invite vraiment, pardon pour le tutoiement, je vous invite vraiment à refaire cette expérience vraiment en générant vraiment de l'amour, mais peut-être que vous avez encore trop de tristesse à l'intérieur de vous. Alors, Carole dit, j'ai souvent l'impression d'avoir des connexions et des messages. Moi, ce que je vous invite à faire, quand vous avez des messages, prenez un crayon, écrivez, et puis vous écrivez, et c'est ainsi que vous allez découvrir les messages. Ma fille a vécu cette expérience aussi. Aujourd'hui, elle voit les défunts et les voix qui l'angoissent. Elle a dit, c'est comment puis-je l'aider à fermer ce canal ? Alors, Joël, la première question, qu'est-ce qui fait ? Je suppose que tu veux qu'elle ferme ce canal parce qu'elle a peur. Peut-être qu'elle a besoin simplement d'apprendre à gérer ses capacités qui s'offrent à elle. Si ses capacités s'offrent à elle, c'est que ça fait partie de sa mission. Et de vouloir les bloquer, ça va bloquer une partie de l'être qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle va fermer la porte à une partie d'elle-même. Donc, peut-être que ce serait bien de lui apprendre à vivre et à intégrer ses capacités pour ne plus qu'elle ait peur de tout cela. D'accord ? Est-ce bien de les déranger dans l'au-delà ? Nous ne les dérangeons jamais. Ça, c'est important de le comprendre. Moi aussi, pendant très longtemps, on m'avait dit, plusieurs personnes, des voyants m'avaient dit qu'on ne pouvait pas demander comme ça. S'ils sont disponibles, ils seront toujours… Vous savez, nous, on est des êtres humains. Donc, moi, je suis là. Pendant que je suis là, je ne peux pas être en même temps Marie-Noël Bon assise dans un avion pour aller à New York. Okay ? Maintenant, quand on est désincarné, quand nous ne sommes que des âmes, à un certain niveau, nous pouvons très bien être à plusieurs endroits en même temps. Quand je fais des séances, quand je fais mon travail, je suis là et en même temps, il y a des parts de moi qui vont dans d'autres réalités et pourtant je reste là. Eh bien, quand on est désincarné, on peut tout à fait être à plusieurs endroits en même temps. Donc non, vous ne les dérangez pas. Il ne veut pas partir, il protège notre fille et petite fille. Alors, j'ai des morceaux de phrases. Beaucoup de paix et d'amour avec l'image de ma sœur, de mon père, grand-père, mère de cœur, chaleur, douceur, paix. Tout à la fin, une image d'un homme décédé à 18 ans, écrasé par deux voitures. Je suis perturbée car des images superposées de mon fils vivant. Quel est le message ? Cet oncle demande à monter. Où dois-je ? Crainte pour mon fils qui est son
qui est chez son père atteint d'un cancer de l'œsophage. Alors, Nathalie, tu me dis que tu as vu des images superposées. Quelles sont ces images superposées? Alors, pour ton fils, sincèrement, tu n'as rien à craindre. Retire cette peur. Il est en parfaite sécurité. Ah, le film Ghost. Qu'est-ce qu'il est beau, ce film. Alors, comment peut-on nettoyer? Comment peut-on se nettoyer, c'est tout un processus. Alors, pour les personnes qui le souhaitent, et qui veulent aller plus loin au-delà de cette conférence, je peux vous accompagner. Je peux vous accompagner à faire ce nettoyage. Ça ne peut pas se dérouler en un quart d'heure, 20 minutes. Arrêtons de rêver, d'accord? Il n'y a pas de baguette magique. Moi, ce que je vous propose pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est de me retrouver. Donc, c'est le 24 mars et le 14 avril avec un espace, parce qu'entre les deux, il y aura tout un travail qui sera fait, de nous retrouver et d'aller ensemble nettoyer toutes ces mémoires, tous ces liens, toutes vos souffrances. Donc, ce sont deux rencontres que je vous propose pour les personnes qui le souhaitent. Je vous mets la proposition dans le chat. Donc, ce sont des ateliers, si on peut appeler ça des ateliers. Mais pendant ces rencontres, vous pouvez, je vous ai mis le programme. Si vous souhaitez, on fera ensemble, je vous guiderai pour déjà mettre en lumière vos souffrances. Parce que si je dis, je veux nettoyer ma souffrance, mais c'est quoi la souffrance? Derrière des souffrances, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des croyances. Et si on ne va pas mettre en conscience ce qui est juste derrière, ce qu'on est venu apprendre. Si je reprends l'exemple de la perte de mon grand amour, depuis ce que j'ai compris, ce que j'avais besoin de nettoyer, c'est que quand Joël est parti, j'avais l'impression de ne plus exister, de ne plus avoir ma place. Et bien, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que depuis que j'étais née, j'avais cette impression de ne pas avoir ma place. Et donc, en travaillant sur ce que je ressentais, ce vide, j'ai nettoyé. Si vous voulez, ce que je vous propose lors du premier, la première rencontre, je vais vous transmettre des clés. Ce sont des clés sacrées que je reçois et qui accompagnent, ces clés sacrées accompagnent énormément de personnes. Je les transmets régulièrement. Je vais vous transmettre des clés pour aller mettre en conscience vos souffrances. Et lors du deuxième atelier, nous irons ensemble nettoyer en direct. Je vous accompagnerai, j'irai me connecter à tout le monde là, les gens qui me connaissent, ils savent un petit peu comment ça se passe, et puis on ira couper tous ces liens, on ira nettoyer en profondeur toutes vos souffrances. Pour les personnes qui sont thérapeutes, qui sont guérisseurs, sachez que ces ateliers, vous pouvez les reproduire pour les utiliser sur des personnes qui viendront vous voir, sur vos clients. Vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime tout transmettre et donner ainsi. Est-ce que j'avais d'autres questions? Alors, ok Joël, tu as tout à fait raison. Et ça va vraiment lui permettre de vivre vraiment qui elle est. Parce qu'on ne peut pas, on peut pas refuser ce don, cette capacité, vous savez. Quand j'ai eu cette capacité, j'étais toute petite. Pendant des années, je ne pouvais pas en parler, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais qu'une petite fille, donc j'ai refusé tout ça. Je ne voulais pas, surtout que la mort de mon compagnon, je l'avais vue avant et tout, enfin, c'était compliqué. Puis je ne comprenais pas pourquoi on me donnait ça, c'était pour me l'enlever aussitôt après, quoi. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que si vous avez ces capacités, acceptez-les, parce que si vous les avez, elles font partie de vous. D'accord? Donc, acceptez-les. Alors, ma sœur s'est suicidée récemment. Il y a beaucoup de tentatives de suicide dans ma famille, je crois. Exactement. Oui, tout à fait. Christine, donc, demande dans sa famille, elle dit qu'il y a beaucoup de tentatives, de beaucoup de suicides. Est-ce que sa mission est de stopper? À partir de l'instant où vous prenez conscience qu'il y a un schéma qui se reproduit de génération en génération,
si vous en prenez conscience, ça fait partie de votre mission de le nettoyer. Donc oui, Christine, ça fera partie, toutes ces mémoires, quand on va par exemple aller travailler sur la souffrance que tu as par rapport au suicide de ta sœur, on ira en effet nettoyer tout ce qui concerne aussi les mémoires des ancêtres et surtout, 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 nettoyer tout ce qui a pu être transmis à vos descendants et aux descendants à naître. Et surtout, chose importante, c'est d'aller nettoyer toutes les réalités du futur potentiel. Je vous redonne un exemple. Quand Joël est décédé, je me suis fait une promesse. J'ai dit « plus jamais je n'aimerai ». Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Eh bien, j'ai envoyé des informations dans l'univers et je me suis créé des réalités où j'allais refuser d'aimer. Je me suis créé des réalités où je serais malheureuse, où je serais souffrante. Et donc, si nous allons, et ce sont des réalités de mes futurs potentiels. Donc, lorsque l'on nettoie, c'est important d'aller aussi nettoyer tous ces futurs potentiels qu'on a pu créer au travers de nos pensées. Vous savez, on n'arrête pas de penser chaque jour. On n'arrête pas de s'imaginer telle ou telle catastrophe dans notre vie. Quand j'ai peur de quelque chose, si j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ben, j'envoie cette information dans l'univers et je vais créer cette réalité. Cette réalité, elle existe. Donc, il est vraiment important d'être dans cette conscience et ça aussi, on ira le faire. On ira nettoyer toutes ces réalités qui sont nées à partir de vos souffrances. Ça, c'est génial, Christelle. Christelle dit Solange, depuis les scènes de ma fille, il y a 17 ans, à l'âge de 16 ans, elle est déjà venue parler 3-4 fois. C'est cool. Est-ce qu'un aïeul décédé peut nous en vouloir et tout faire pour que l'on soit malheureux? C'est tout à fait possible. Vous savez, je vais vous raconter encore une anecdote, mais je pourrais vous en raconter toute la nuit parce que il y a bien longtemps que je fais ce métier. Un jour, je reçois en consultation un monsieur. Et alors, avant qu'il arrive, il s'est passé des petites choses chez moi. Mon compagnon, il m'appelle, il me dit « Tu peux venir quelques instants ?» C'était avant la consultation. Et puis, dans la cuisine, il y avait un couteau qui tournait comme ça, voilà, comme ça. Et donc, j'ai dit à mon compagnon « Écoute, va faire un tour dans la salle de bain. Je m'occupe de notre visiteur. » Mais c'était une visiteuse. Bon, elle est partie. J'entre en consultation et là, j'ai un homme devant moi et tout. Et pendant qu'il me parlait, je voyais cette âme qui était derrière lui, en train de le poignarder, mais vraiment, elle était comme ça, en train de le poignarder et tout. Alors moi, je disais rien, je regardais, parce que ce genre de choses, généralement, je nettoie sans le dire à la personne, ça ne sert à rien d'aller lui mettre une peur supplémentaire. Et au moment, le monsieur me dit, « Oh, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on me poignardait dans le dos. » Et là, j'ai éclaté de rire, j'ai dit, « Bah non, ce n'est pas une impression, vous avez vraiment quelqu'un qui vous poignarde. » Et donc, c'était une âme qui lui en voulait et qui était resté, enfin qui l'avait suivi dans cette vie, qui le suivait partout, qui le poignardait. Donc pareil, on l'a nettoyé, on lui a permis de retrouver la paix et il a arrêté de se faire poignarder. Alors, mon compagnon est parti subitement dans son sommeil il y a un mois, comme rien n'indiquait qu'il partirait, ce petit qu'il ne sache pas qu'il est décédé. Sandra, je t'invite à m'envoyer un mail. Je te mets mon adresse mail. Avec le prénom et puis la date de naissance de ton compagnon, s'il te plaît. Et puis comme ça, je pourrai te répondre. Parce que là, si je commence à me connecter, vous êtes trop nombreux pour que je me connecte. Je ne vais pas m'en sortir. J'ai beaucoup de ressentis à chaque fois. Est-ce que ça signifie que j'ai des âmes qui viennent à moi de plus en plus? Eh bien, Christelle, si tu fais partie de la famille, de notre famille, de guérisseurs, nettoyeurs, passeurs d'âmes, eh bien oui, tout à fait. Donc, si tu fais partie de cette famille, que les âmes viennent à toi, c'est normal. Et donc, bah, il suffit simplement de faire comme on fait avec les personnes vivantes. On les nettoie, on se connecte à elles. On aspire, on absorbe leur souffrance et ensuite, on les fait passer. Le maire Raymond. Oh, 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 oh.
Pardon, Stéphanie. Stéphanie, pareil, je t'invite à m'envoyer un message par mail, s'il te plaît. Alors, mon époux est décédé en 27. Cela faisait 27 ans que nous étions ensemble. Tous les courriers que j'ai faits après son décès sont venus tamponner du 27, alors que partie à des dates différentes. Quand je pleure, je suis devant la télé, j'entends ce chiffre dans le dialogue. Est-ce un signe? Alors, apparemment, Sandrine, pour toi, je dirais que le 27, c'est, il y a un lien karmique. Il y a, ouais, tu vois, ça me fait bailler. Oui, quand je baille, pardon, c'est que je suis en train de toucher une vérité qui se nettoie. Alors, Sandrine, la question, est-ce que c'est le 27 mars? Parce que moi, ce que j'entends, c'est 27 mars. Non, il n'y a rien à voir, c'est pas la même année. Ouais, c'est un lien karmique, Sandrine. Le 27, c'est un lien karmique. Alors, mon mail, je l'ai mis dans les commentaires. Alors, hop. Alors, mon mail, je vous le donne, c'est Marie-Noël Bon. Donc, Noël 2LE, hein, je ne suis pas le Père Noël. Tout attaché, @gmail.com. Alors, Solange, on m'a dit que je suis une passeuse d'âme. Eh bien, Solange, si tu es une passeuse d'âme, je t'invite vraiment à te mettre au travail. Quand nous sommes des passeurs d'âme et que nous ne faisons pas notre travail, nous en subissons les conséquences. Ce n'est pas des punitions. C'est que j'accepte ou j'accepte pas d'être, je dégage cette énergie de passeur. Donc, j'attire à moi toutes les âmes. Toutes ces âmes, elles sont, si elles sont là, c'est qu'elles sont pas dans l'amour. Si elles sont pas dans l'amour, elles sont porteuses d'énergie de colère, de tristesse ou autre. Et donc, ce sont des énergies qui viennent perturber nos propres énergies. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Bien souvent, vous avez de nombreux passeurs qui ne sont pas dans cette conscience d'être passeurs et qui sont toujours malades. Quand j'ai une âme qui vient à moi, je vais ressentir, par exemple, la manière dont elle est décédée. Par exemple, une âme qui a fait une crise cardiaque, d'un seul coup, aouh ! Au début, il m'est arrivé des fois de me demander si j'étais pas en train de faire une crise cardiaque. Mais non, il suffit que je porte ma caution, je commence à bailler, à bailler, à bailler, et ça s'arrête. Voilà, j'ai rencontré il y a 2 ans une âme qui était morte par pendaison. quand elle s'est présentée à moi, d'un seul coup, oh, je me suis sentie, mais je me suis vue pendue à une corde, je peux vous assurer que c'était pas sympa. Voilà, donc, c'est vraiment important, si tu es une passeuse d'âme, eh bien, vas-y, lance-toi, aide toutes ces âmes qui viennent à toi, et ta vie sera beaucoup plus sympa. Ok? Ah. Merci Elise. Alors, Séverine dit, mon compagnon est décédé il y a 8 mois, nous étions des flammes jumelles, on me dit qu'il est à mes côtés, mais je ne sens pas. Tant que nous sommes dans le chagrin, dans la souffrance, dans le manque, nous ne pouvons pas les sentir. Ces énergies, ce sont vraiment ce qu'on appelle les énergies d'emprise, elles forment comme un bloc autour de nous. Vous voyez, un bloc. On ne peut pas traverser. C'est vraiment lorsque l'on va lâcher prise, que l'on va se placer en son cœur, que l'on va se mettre dans un sentiment d'amour. Et là, vous allez pouvoir ressentir leur présence et leur amour. Alors, est-ce que d'accompagner les âmes à passer peut épuiser physiquement, énergétiquement? Et si oui, quoi faire pour éviter cela? Si nous ne sommes pas préparés, si nous n'avons pas une bonne hygiène énergétique, ça peut nous fatiguer. Pour ne pas être fatigué lorsque l'on fait des passages d'âme, c'est de toujours, 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 toujours travailler dans l'amour. C'est-à-dire que on va déjà aller se relier à la terre-mère, s'emplir des énergies du feu sacré, on va générer beaucoup, beaucoup d'amour. Que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. C'est-à-dire que nos corps énergétiques vont être que de l'amour. Et là, il n'y a aucune raison d'être fatigué ou quoi que ce soit. À chaque fois que nous faisons des passages d'âme, nous bénéficions aussi de la lumière qui vient
les chercher. Et donc, non. Au contraire, c'est de ne pas faire qui va être fatigant, qui va nous rendre malades. Parce que toutes ces âmes autour de nous qui vont envoyer ces énergies, leurs propres énergies de souffrance, vont venir perturber nos énergies. Et donc, ça va nous occasionner de la fatigue, des douleurs, des problèmes de sommeil, etc. D'un seul coup, on va sentir énervé, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, c'est de ne pas faire qui va nous rendre malade, mais certainement pas en faisant, non, pas du tout. Alors, Patricia, est-ce que tu bailles ? Je pose la question à Patricia, qui me dit, j'ai rêvé plusieurs fois que je passais des âmes, est-ce de simples rêves ou est-ce que je suis une passeuse ? Alors, est-ce que les heures miroirs sont des signes ? Oui. Alors, les heures miroirs, j'adore les heures miroirs. Quand les heures miroirs se succèdent dans la journée, admettons par exemple que vous voyez toujours la même heure miroir pendant plusieurs jours, par exemple 14h14, d'accord ? Ok, donc là, vous allez voir la symbolique, vous avez un site qui est très bien, c'est heuremiroir.com, 14h14, vous allez voir. Maintenant, si toute la journée vous tombez sur des heures miroirs différentes, par exemple 5h05 le matin, 6h06, 7h07, 8h, toute la journée ça défile comme ça, ça veut dire que là vous êtes en train, on vous demande de vous poser, de vous mettre en conscience parce que vous avez besoin d'entendre quelque chose. Peut-être qu'on vous signale aussi que vous faites fausse route, que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si, par exemple, vous envisagez de faire un achat conséquent, si vous envisagez de signer un contrat, de vous engager envers quelqu'un, et que quelques jours avant, vous voyez sans arrêt des heures comme ça, miroir, eh bien, moi, je vous invite vraiment à réfléchir à la décision que vous allez prendre. On est certainement en train de vous montrer, waouh, arrête quelques instants. Les heures miroirs nous invitent à nous poser. L'heure miroir, ça veut dire que le temps se fige. Si le temps se fige, le message qu'on nous envoie, c'est pose-toi. Quand je reçois des enseignements, je reçois régulièrement des enseignements que je transmets. Je sais pertinemment quand je reçois, c'est quand je vois des heures miroirs sans arrêt dans la journée. Je sais que là, on me demande de me poser. Donc, je me pose, soit je m'allonge, j'aime bien, j'ai mon petit canapé confortable, je m'allonge ou je m'assois. Je ferme mes yeux, je me mets en conscience et là, pff, donc les heures miroirs, c'est vraiment pour attirer votre attention et on vous dit pose-toi et écoute. Ou alors, on vous dit prends le temps. Patricia, je reste souvent de mon mari. Que cela veut-il signifier ? Peut-être qu'on est en train de te montrer que tu n'as pas su te libérer pour lui permettre de se libérer, Patricia. Diane, notre beau-père est mort il y a 2 ans et demi. Il était un de mes meilleurs amis. Les quelques mois de la fin de sa vie, j'ai des problèmes de... Alors, depuis le décès d'un cancer, j'ai des problèmes de l'expliquer. Tout à fait, Diane. Toi, ça me fait bailler. Alors, je vais vous expliquer quelque chose et après, je vais vous laisser parce que je pourrais vous parler toute la nuit, moi, vous savez. Je suis une bavarde et puis je suis une passionnée. Au moment de la désincarnation, c'est-à-dire au moment de la mort, les énergies, l'âme va générer des énergies qui vont être en lien avec sa mort. Par exemple, une personne, pour le cas du cancer des poumons, eh bien, si vous êtes proche de cette personne, si vous êtes ouvert au niveau sensibilité, vous pouvez absorber en effet ces énergies qui vont vous provoquer les mêmes symptômes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand j'ai des âmes qui viennent en contact avec moi, je vais avoir dans mon corps des douleurs physiques, émotionnelles, c'est-à-dire que je capte leur propre souffrance. Donc ça aussi, ça se nettoie. Et c'est important de les nettoyer. Vous voyez, juste à lire les messages, je nettoie. Alors, certainement, à chaque fois, je lis plusieurs messages où des dates reviennent sans arrêt. Donc, ces dates,
sont des dates importantes. En même temps, j'écoute ce qu'on me dit. Hein. Oh, attendez. Alors, vous avez des dates. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des clés sacrées. Pendant l'atelier, je vous donnerai un calcul à faire par rapport aux dates. C'est-à-dire que lorsque l'on vit un décès brutal, parfois on dit « ma vie a basculé ». Donc, pour Stéphanie, le 7 février, c'est une date. Pardon. Qui te rappelle quelque chose. Là, aujourd'hui, tu me parles du 7 février 2021-2022, mais pour toi, le 7 février a une autre symbolique que tu as besoin, qui est nécessaire d'être nettoyée. Voilà. Alors, comment savoir si on est passeur d'âme? Quels sont les signes? Les signes de passeur d'âme, eh bien, c'est de... déjà, nous sommes des gens hypersensibles. Mais vraiment, quand je dis hypersensible, c'est qu'on va tout percevoir beaucoup plus puissamment que les autres. On va sentir des présences autour de nous, par exemple. Les autres signes, c'est qu'on va, depuis qu'on est enfant, on se sent différent des autres. On a l'impression... d'être un peu le vilain petit canard de la famille, de pas ressembler aux autres. On est très souvent déconnecté de la réalité, c'est-à-dire qu'on est souvent dans la lune, etc. On perçoit des présences. On va aussi percevoir, par exemple, quand vous entrez dans une pièce, vous allez percevoir l'ambiance, les sensations. Voilà comment on peut se rendre compte si on n'a pas sur d'âme. Si on est en fonction de notre évolution, si vous, d'un seul coup, vous arrivez dans une pièce ou dans un groupe et vous êtes d'un seul coup fatigué, vous avez de fortes chances de capter toutes les énergies. Et puis le bâillement. Le bâillement, c'est vraiment une des symboliques des passeurs d'âme. Parce que par le bâillement ou par les rots, parfois c'est les rots, c'est vraiment notre manière à nous de nettoyer ces énergies. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai un œil qui, ça doit être quelqu'un qui a un problème aux yeux. Si vous avez vu le film, La ligne verte, dans ce film, vous avez vu le monsieur, le grand noir, là, il aspire la maladie chez l'autre et ensuite il souffle et il crache. Alors bon, là, c'est du cinéma, donc on voit des trucs noirs. Et bien, c'est un petit peu ce qu'on fait, nous, quand on baille, c'est-à-dire qu'on capte la douleur de l'autre. Alors là, je suis en train de capter une douleur dans un œil. Il y a quelqu'un qui a mal à un œil. Et là, je vais bailler. Et ça va dissoudre les énergies qui provoquent cette douleur. Alors, oui, bien sûr, Élisée. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Alors, je ne vous promets pas de répondre dans les 5 minutes qui suivent parce que j'ai beaucoup de mails. Mais j'arrive toujours pas à répondre. OK? Alors, Nolan, j'ai l'impression d'avoir un don comme le magnétisme, la médiumnité, l'hypersensibilité depuis petite. Je sais au fond de moi que je peux et que je dois aider énormément de monde, mais je n'ai aucun signe et je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quel âge tu as, Nolan, mais si tu veux m'écrire, on peut discuter tous les deux. Toutes les deux, pardon. Oui, Catherine. Catherine me dit, pardon. Mon mari est décédé il y a 17 ans d'une erreur médicale. Depuis, ma famille est complètement disloquée. Mes enfants ne me parlent plus. Est-ce que mon mari peut faire quelque chose pour nous réunir? Déjà, oui. On peut déjà aller nettoyer toutes les énergies qui sont liées et qui ont disloqué. On peut travailler sur nettoyer toutes ces énergies et libérer tout le monde. Par contre, Catherine, quand je lis ton message, ça me donne très, très mal à la tête. Mmh. Mmh.
Vanessa, on ne peut pas refuser d'être passeuse et si on n'en a pas envie du tout. Moi, j'en ai ras-le-bol de tout ça car ça ne m'amène que des ennuis dans mon cas. Bah, tu peux refuser, Vanessa. Et ça, et tu verras si c'est différent pour toi. En tout cas, ce que j'en sais, c'est que tout, pendant toute la période où j'ai refusé d'être qui je suis, ma vie était très, très merdique. Depuis que j'ai accepté d'être pleinement qui je suis, c'est vrai que c'est parfois difficile. C'est parfois, mais avec, comment vous dire, avec l'habitude, avec l'expérience, on arrive vraiment à gérer. Et surtout, quand on est qui nous sommes, quand nous sommes des passeurs d'âme, on nous invite aussi à beaucoup travailler sur nous. C'est-à-dire de dégager toutes nos mémoires que nous pouvons porter de colère ou de tristesse. Parce que si à l'intérieur de nous, nous avons trop d'énergie de colère, trop d'énergie de tristesse et de souffrance, ces énergies vont entrer en résonance avec les énergies extérieures. Et donc, on va garder, ça va venir accentuer notre mal-être. Et c'est pour ça que, malheureusement pour nous, on nous demande d'être beaucoup plus vigilants et de faire un travail très en profondeur en nous-mêmes pour aller vraiment nous déblayer de toutes nos mémoires afin de finir vraiment par nous accepter et par nous aimer pleinement. Et à partir de l'instant où nous arrivons à être pleinement nous-mêmes, où nous nous acceptons complètement tels que nous sommes, c'est un travail qui devient magique parce que chaque jour, on aide, on donne de l'espoir, on donne de la joie et il y a enfin, pour moi, c'est plus qu'un travail. C'est waouh, c'est magique. J'ai des heures miroirs plusieurs fois par jour. Est-ce un signe de ma fille? Peut-être, Valérie. Je t'invite vraiment, Valérie, à t'arrêter. D'accord? Quand tu vois la prochaine heure miroir que tu vois, tu t'arrêtes, tu t'allonges, tu fermes tes yeux. Tu respires profondément, tu poses ta main sur ton cœur, tu laisses venir un sentiment d'amour et tu dis « j'accepte d'entendre maintenant ». Et tu fais rien d'autre, tu restes posé comme ça quelques instants et puis ensuite tu retournes vaquer à tes occupations. Et sois attentive, tu vas recevoir le message. Le message, ce ne sera peut-être pas, on va pas venir te parler et prendre un thé avec toi. Peut-être que le message, tu vas allumer la radio, tu vas entendre une phrase. Peut-être que tu vas regarder la télévision, tu vas entendre une phrase. Peut-être que tu vas ouvrir un livre, il y a des mots. Tu vois, c'est comme ça. Excusez-moi de vous tutoyer, mais pour moi, on est tous pareils, on est tous frères et sœurs, donc c'est pour ça que je tutoie. Donc, c'est comme ça qu'il nous arrive les messages. Alors, quand on est passeur d'âme, comment doit-on faire? Alors ça pourrait être le sujet d'une autre conférence parce que je peux pas vous expliquer comment on fait pour passer les âmes en 5 minutes. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand on est passeur d'âme, nous sommes des êtres d'amour. Et pour aider les âmes, nous avons besoin de les envelopper d'amour. Nous avons besoin de les écouter, de les entendre et d'être en compassion avec leurs souffrances. C'est ça, être passeur. Nous sommes là pour transmettre la paix, pour diffuser la paix aux âmes qui sont incarnées et aux âmes désincarnées. C'est exactement le même job. Quand on parle de passeur d'âme, souvent on pense aux défunts, mais nous sommes passeurs d'âme aussi dans la vie. Par exemple, aider quelqu'un, ce que je fais ce soir et ce que l'on va faire pendant ces ateliers, c'est un travail de passeur d'âme. Nous aidons les personnes à traverser des expériences dans leur voyage d'âme. Alors c'est vrai qu'au niveau humain, nous, on se base sur la vie, mais ce que nous sommes en ce moment, nous sommes des âmes, et là, en ce moment, nous sommes dans un voyage de notre âme. Et c'est ça, le passeur d'âme, nous accompagnons les âmes à traverser des passages, le temps, dans leur voyage d'âme. Pourquoi bien j'ai l'impression de bien vivre le décès de mon mari? Je pleure quand on me parle de lui ou je pense à lui. Est-ce que je risque de l'empêcher de poursuivre sa route? La tristesse, à quel moment sait-on qu'on a libéré l'autre? C'est comme je vous disais au début de la conférence, c'est quand je pense à l'autre
et que c'est la paix et l'amour qui est présent. Tant que c'est la tristesse, la colère, j'ai pas libéré. Je me suis pas libérée et surtout l'autre n'est pas libéré. Et je vous dis pas ça pour vous embêter, c'est ce que je vois tous les jours dans mes séances. Si vous saviez le nombre d'âmes qui sont enchaînées à nos souffrances, mais même des âmes qui ne sont pas forcément décédées. C'est vraiment important de comprendre que tout est lié. Quand je vis quelque chose, je ne suis pas seule à le vivre. Tout est énergie. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Imaginons deux individus qui sont dans une rue et qui se disputent violemment. Vous passez près de ces individus. Ces personnes qui se disputent s'envoient des mots, d'accord ? Les mots sont des énergies. Ces énergies, pchouf, elles partent comme ça autour d'elles. Vous passez à côté et là, vous chopez ces énergies de colère. Quelques heures plus tard, vous arrivez chez vous sans savoir pourquoi vous êtes en colère. Eh bien, vous êtes simplement passé à cet endroit, à ce moment-là. Et donc, au moment où vous êtes passé et que ces énergies se sont accrochées à vous, vous avez créé ce qu'on appelle un lien énergétique. Eh bien, ce lien, si on ne le coupe pas, vous pouvez vous nettoyer, mais si ce lien est toujours existant et que ces deux personnes restent en colère, elles vont continuer de vous nourrir avec vos colères. Et ça, on le rencontre très souvent, par exemple, dans les séparations de couple, les personnes divorcent, mais il y a toujours des colères et tout parce que les liens de souffrance énergétique n'ont pas été coupés. Excusez-moi, il y a mon chien qui... Ah, oh, Estelle, j'ai l'impression de pouvoir ressentir les âmes depuis toute petite. On m'a tellement dit que c'était diabolique que je ne ressens plus rien. Peut-on me faire boire... Petite, on me faisait boire de l'eau bénite de force. Estelle, eh bien écoute, moi j'étais l'incarnation du mal. Donc, dis-toi que si petite tu étais le diable, mais que maintenant, si tu acceptes d'être qui tu es, eh bien tu vas œuvrer pour le bien. C'est vrai que quand on est une petite fille et qu'on vit ce genre de choses et qu'on en parle, je me souviens que je disais à maman, tiens, cette nuit, j'ai vu le monsieur du bout de la rue, mais il était mort, alors qu'il n'était pas mort au moment où je le disais, quoi. Ma mère, elle se signe, elle disait, oh, mais dis pas ça, enfin, le bon Dieu va te punir ou je ne sais quoi encore, comme truc comme ça. Et puis, quelques jours plus tard, le monsieur était mort. Forcément, je passais aussi un peu pour celle qui provoquait. Enfin, moi, j'ai longtemps cru que le fait de ressentir la mort des personnes avant qu'elles ne se produisent. Longtemps, j'ai cru que c'était moi qui provoquais ça. Mais non, c'est simplement, on venait m'avertir que j'allais avoir du travail dans quelques jours, en quelque sorte. Depuis très jeune, je sens des présences près de moi régulièrement. J'ai grandi dans un lieu très chargé, plusieurs générations y ont vécu. Il y avait des momies rapportées de l'époque des campagnes en Égypte. J'ai toujours eu une forte aspiration, intérêt pour le spirituel. Depuis que je vous ai écouté la première fois, j'ai le sentiment d'avoir envie, une tendance vers le travail, une tâche karmique. Eh bien, Diane, je suis vraiment heureuse que tu te réveilles parce que on a besoin de plein de nettoyeurs. On a besoin de plein de gens parce qu'il y a tellement de jobs, il y a tellement de travail à faire au niveau du nettoyage énergétique sur notre planète pour nettoyer notre Terre que toutes les bonnes âmes sont bienvenues. Alors, bienvenue dans ta famille de nettoyeurs, guérisseurs, Diane. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, Clavier, deuxième webinaire avec vous, c'est magnifique. Le premier m'a soulagé de douleurs, crispations de la mâchoire sur la mort, me faire comprendre des choses que je crois j'ai toujours su. J'étais présente au décès de mon grand-père, déjà petit à 5 ans, puis mon grand-père maternel il y a 6 ans et ma grand-mère paternelle récemment. Et plus la vie avance et plus j'ai de crainte face à la mort. Je suis née après le décès de mon frère aîné qui a été caché des années. La mort est près de moi apparemment. Je l'ai compris après le décès récent de ma mamie où je l'ai appelée pour lui dire de se préparer à quitter, de rejoindre les siens et d'être enfin libérée en paix. J'ai vécu son décès autrement que ma famille car je sais qu'elle est bien maintenant. Mille merci à vous. Mais merci à toi Flavie. Tu sais, ce que je pourrais te dire, c'est que quand on côtoie la mort de près comme ça, très très souvent, ce sont fortement des signes aussi que nous sommes des passeurs d'âme.
nous côtoyons pas la mort par hasard. J'ai mis longtemps à le comprendre, parce que j'ai beaucoup côtoyé la mort quand j'étais enfant, adolescente, et puis ça continue. Mais j'avais pas compris pourquoi. Mais quand nous côtoyons ainsi la mort, c'est que on nous montre aussi que nous ne sommes pas là par hasard, et que si nous sommes là, c'est justement pour aider toutes ces âmes qui restent, et les autres. Alors, oui, bien sûr, Karine, que je referai le temps de ces deux ateliers. De toute façon, les deux ateliers que nous allons faire ensemble, le 24 mars et le 14 avril, bien sûr que le tambour va être présent parce que j'en ai plusieurs d'ailleurs. Bien sûr, pour moi, c'est un outil de travail. Et à chaque fois que je fais des soins, que je fais des ateliers, le tambour participe parce que le tambour, c'est une force magique qui permet vraiment d'aller dissoudre des énergies que l'on ne peut pas nettoyer autrement. Oui, bien sûr, il y aura du tambour. Alors, comment lâcher prise, dit Nathalie. Eh bien, avant de vouloir lâcher prise, nous avons besoin d'accepter. Bien souvent, nous taisons ce que nous ressentons. C'est-à-dire que nous n'en parlons pas parce que déjà, il n'y a pas grand monde pour nous écouter. Ouais, on va nous écouter au début, puis après, on va vite casser les pieds aux autres, hein, avec notre douleur. On va nous dire, il faut faire ton deuil, hein, ça sert à rien de pleurer, de toute façon, ça ne fera pas revenir. Voilà, c'est agaçant, ce genre de choses. Donc, c'est important d'aller exprimer. Et c'est ce que je vais vous enseigner. C'est comment je fais pour accepter. Nous ne pouvons pas lâcher quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas lâcher prise. Nous ne pouvons pas nous libérer si dans un premier temps, première étape, je suis en conscience avec ce qui est. Deuxième étape, je suis dans l'acceptation. Et pour être dans l'acceptation, eh bien, c'est par la verbalisation de ce que l'on vit. Le temps de ces ateliers, ce qui serait génial, c'est que des personnes se portent volontaires pour venir en direct avec moi. Parce que quand il y a des personnes en direct, je montre les personnes qui sont en direct, à partir d'elles, je vais expliquer ce que vous avez à faire. Et les autres derrière comprennent mieux. Et puis, en travaillant sur des personnes qui sont avec moi comme ça, ça permet de créer un collectif d'énergie libératoire qui est vraiment très puissant. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent passer en direct avec moi le temps de ces ateliers, je vous invite à m'envoyer un petit mail et je vous enverrai un lien pour me rejoindre. Alors, alors, il y a beaucoup de... Oui, il y aura un replay. Comment accepter, je verbalise. Eh bien, tout ça, je vais vous expliquer comment on fait. D'accord? Alors, pour les personnes qui veulent être en direct, c'est simple. Il est important pour vous d'avoir une bonne connexion Internet, d'être dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, où personne viendra vous interrompre, etc. Ou surtout, il n'y a pas de bruit. D'accord? Ah, c'était toi, Dominique, l'œil. Ok. maintenant, ça va mieux, mon œil. Mais tout à l'heure, j'étais pas bien. Où il n'y a pas de bruit. Et puis, avoir une belle lumière devant vous pour qu'on puisse vous voir. Et si vous souhaitez, vous m'envoyez un mail ou le jour de l'atelier, vous cliquez, vous me demandez la main. Ok? Donc, là, c'est vrai que j'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Je vous remets mon adresse mail dans le chat pour que vous puissiez m'envoyer vos questions si vous avez besoin. Ok. Pour ceux qui le souhaitent, hein, je vous retrouve donc le 24 mars et le 14 avril. Et puis, j'ai d'autres dates pour des soins au tambour gratuit aussi que je vous préciserai par la suite. Ok. Pour ce soir, je vous invite, si vous le souhaitez bien, je vais vous faire un petit soin pour les personnes qui le souhaitent. Je vous invite à, si vous le souhaitez, maintenant, on va aller se faire un petit bain d'amour. Donc, je vous invite à prendre une position confortable. Et ça, c'est mon cadeau avant de nous séparer ce soir. Je vous invite à fermer vos yeux.
à positionner vos deux mains paume vers le ciel. Pardon. Je vous invite à rester ainsi, centré en votre cœur, en votre corps, et je vais prendre le tambour. Et pendant que je vais jouer du tambour, je vous invite simplement à rester en contact avec votre corps, avec cette intention d'envoyer de l'amour et d'envoyer de la paix autour de vous et au travers l'univers. Je
Je vous invite à dire que l'amour et que la paix soient maintenant. Que chaque âme ici présente soit enveloppée par la sainte lumière et que l'amour de la sainte lumière dissolve toutes ces souffrances terrestres. Que toutes les chaînes de souffrances terrestres soient maintenant rompues. Et que toutes ces âmes ici présentes soient maintenant dans la paix et dans l'amour. Et vous respirez profondément. Amina. Et quand vous sentirez prêt, prête, vous pourrez revenir ici et maintenant. Excusez-moi, c'est très difficile de me retenir. après, quand je fais des conférences comme ça ou des soins publics, après, je suis à peu près pendant une heure en train de bâiller à côté. Génial, 22h22. Ouais. En plus, le 22, c'est quand même une heure sympathique. Hein. Un nombre sympathique. Là. C'est un nombre maître. Eh bien, mes chers amis, je vous remercie de votre présence. J'espère que vous avez pu ressentir un petit peu de paix ce soir, que vous sentez un peu plus apaisé. Je vous enveloppe de plein de gens d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt pour ceux que je vais retrouver, donc le 24 mars et le 14 avril. Et belle et douce nuit à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous enveloppe vraiment de beaucoup, beaucoup d'amour. Soyez dans la paix maintenant. Au revoir.